Bonjour à tous, bienvenue sur Pointe Info. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathan Cabu. Nathan Cabu qui a été sélectionné en équipe de France de natation. A tout de suite. À 15 ans, Nathan Cabu a été sélectionné en équipe de France de natation pour participer à la Coupe méditerranéenne de natation, autrement dit le championnat d'Europe espoir de natation. Ça fait quoi de savoir qu'on va intégrer l'équipe de France de natation après tant d'entraînement ? Eh ben, c'est ce que je recherchais depuis longtemps. Maintenant, on est passé par les championnats de France. On essaye de monter à l'échelle petit à petit. Et voilà, c'est un peu la récompense de tous les entraînements. Tu as commencé la natation il y a combien de temps ? J'ai commencé la natation il y a 5 ans. 5 ans ? Ouais. Et tu es déjà sélectionné en équipe de France ? Ouais. J'ai travaillé très dur. Et tu peux nous expliquer un peu le quotidien d'un nageur ? Comment ils s'entraînent? Comment ça se passe au sein du club Ardennes-Rive de Meuse? Bah déjà, à 15 ans, c'est que de l'école, natation, aller dormir, manger, et c'est ça en boucle, on fait que ça. Maintenant, à l'entraînement, il y a des jours où ça fait mal, mais on rigole aussi entre amis, quoi. C'est pas que de l'entraînement acharné, on s'amuse bien aussi. Là, ça a dû prendre une dimension complètement différente depuis que tu sais que tu es sélectionné en équipe de France. Comment ça s'est passé dans ta tête ? Pas forcément, je me suis fixé d'autres objectifs, mais à l'entraînement ça reste pareil et l'objectif c'est de ne pas changer avec les autres. Il n'y a pas besoin de changer sa méthode d'entraînement tant que ça fonctionne. Comment tu l'as annoncé à tes entraîneurs, à tes proches, etc. que tu étais sélectionné en équipe de France ? Et bah alors, avec Johan, mon entraîneur, bah, il l'a su en même temps que moi. Il était... aussi enthousiaste que moi à l'idée de que je parte en équipe de France. Mes proches aussi, je leur ai annoncé super content et voilà, ils étaient fiers pour moi. Maintenant, on va devoir s'améliorer encore plus. Tu peux nous expliquer un peu ta relation avec ton entraîneur ? Comment ça se passe ? Je le vois énormément et ce qui fait que il me connaît bien, il me connaît quasiment par cœur et à l'entraînement, c'est il n'y a pas que moi qui travaille, c'est aussi lui. Et sans Johan, j'en serais pas là non plus. Donc c'est vraiment un travail à deux pour arriver à ce niveau-là. Et pour toutes les personnes qui connaissent de loin le sport, la natation, tu peux nous expliquer tes fréquences d'entraînement, quel type de nage tu pratiques, voilà, pour le public lambda. Alors je nage 13 heures par semaine. J'ajoute à ça aussi les séances de PPG qui me prennent... les préparations physiques qui me prennent 3 heures en plus des 13 heures de natation. Et donc ma spé, moi, c'est le crawl, le 1500 crawl, mais j'ai aussi le 404. C'est quoi tu peux nous expliquer un 404 peu 404 nage, c'est sans pape, sans dos, sans bras, sans crawl. Et donc je me débrouille bien aussi dans cette nage. J'étais pas loin de la commune non plus. Mais voilà, il y en avait déjà deux meilleurs que moi, donc c'était pas possible pour le 404. Mais à l'entraînement, on pratique un peu de tout pour justement pas perdre le fil. On va pas nager que le crawl pour être aussi bon dans les autres nages et progresser aussi dans les autres nages. Faut pas se focaliser sur qu'une seule nage. Et donc voilà, je fais des séries par semaine. J'ai une fois un entraînement en crawl, une fois un entraînement en 4 nages. Beaucoup de techniques et c'est ça à répétition. Si tu devais mesurer ton évolution sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, ta nage ? Je sais pas. Je fais de mon mieux, mais maintenant, je ne saurais pas dire à quel point je progresse. C'est aussi plus facile de progresser quand je commence à 15 ans que si j'avais commencé à 10 ans parce que voilà, t'es déjà plus grand et une fois que tu as appris la technique et que tu t'entraînes, tu peux progresser à ce moment-là. Plus de maturité aussi ? Aussi. Et ça vient avec le temps aussi. Je m'améliore aussi sur ce niveau-là. Et quand tu as la tête sous l'eau, tu te dis, comment ça se passe dans ta tête ? Tu te poses beaucoup de questions quand tu es dans un championnat, quand tu es dans un entraînement, ou tu es focalisé, tu es focus ? Non, une fois que je suis dans l'eau, à l'entraînement, je pense beaucoup à ma technique. Et maintenant, on compète. Derrière les plots, tu stresses. Et une fois que tu es parti, tu penses plus à rien d'autre. Ouais, focus. Et t'as une âme de combattant, toi tu veux toujours cette première place. Ouais, je pense qu'il faut être comme ça pour atteindre un bon niveau.
On avait fait précédemment une interview aussi avec un Nathan qui a été champion de France de full contact. Et je trouve que c'est impressionnant, voilà, dans la pointe des Ardennes, de savoir qu'il y a des jeunes comme vous qui essaient de s'en sortir via le sport. Et moi, j'ai une petite question, c'est comment tu lis le sport et les études? Avec les études, des fois c'est compliqué, mais j'arrive à gérer les deux. Comme je l'avais dit, c'était école et puis j'ai des cours, je nage le midi, je nage au soir, et entre les deux, j'ai des cours. Et je bosse après au soir à la maison. Mais c'est pas extrêmement difficile. C'est une organisation. On m'aide aussi pour. Mes parents m'aident aussi pour mes devoirs et tout ça. Donc j'arrive vraiment à gérer tout ça en même temps. À quelques jours de cette compétition, comment tu te sens? Je me sens plutôt bien dans l'eau. Et maintenant, il n'y a pas de stress. J'ai fait mon temps de qualif, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, c'est beaucoup de bonus et on va profiter. Et voir comment ça se passe avec l'équipe de France pour prendre de l'expérience. Là, je te laisse regarder à caméra. Si tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent dans cette compétition, dans ces entraînements. Alors, j'aimerais remercier déjà mes parents qui m'aident énormément au quotidien. Johan, mon entraîneur, qui est tout le temps là pour m'aider dans l'eau. Et voilà, tous mes compagnons d'entraînement, donc Florian, Colin, Hugo, Augustin, qui m'aident beaucoup dans l'eau. Qui me tire aussi énormément et j'aimerais bien les remercier. Rendez-vous donc du 3 au 5 juin à Chypre pour participer à la Coupe méditerranéenne de natation. Un dernier mot pour les spectateurs. Merci à tous, au revoir. Voilà, merci d'avoir suivi l'émission Pointe Info et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain entretien. Au revoir.